Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de préparer des lasagnes fait maison. On commence tout de suite avec les ingrédients pour la sauce bolognaise. On va avoir besoin de 400 g de sauce tomate, une courgette, 500 g de viande hachée, des pâtes spéciales lasagne, un oignon jaune, une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive et un peu de fromage râpé. Allez, c'est parti pour la préparation de la bolognaise. Sur une planche à découper, on va émincer les oignons. On va émincer également la gousse d'ail. Couper la courgette en petits carrés. Environ comme ceci. Dans un faitout, on va commencer par verser un peu d'huile d'olive. Et ensuite, on vient ajouter les oignons, l'ail et la courgette. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce à la fin de la vidéo. Mélangez et faites dorer à feu doux. Ajoutez du sel, du poivre pour assaisonner. Continuez à bien mélanger pendant la cuisson. Dès que vos courgettes ont diminué de volume et que vos oignons commencent à dorer, on va pouvoir ajouter la viande hachée. Et on va mélanger le tout jusqu'à la cuisson totale de la viande. Une fois la viande hachée bien cuite, on vient ajouter la sauce tomate. Mélangez bien le tout et laissez chauffer environ 3 minutes toujours à feu doux. 3 minutes plus tard, comme vous pouvez le voir, notre bolognaise est prête. Et là, je viens ajouter quelques herbes de Provence. C'est pour donner un peu plus de goût à notre préparation, mais cette étape n'est pas obligatoire. Mélangez le tout un petit peu et on va mettre la préparation de côté pour le moment. Et je vais continuer avec la préparation de la béchamel. Pour la préparation de la béchamel, je vais avoir besoin de 50 g de beurre, 1 demi-litre de lait et 50 g de farine. Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu doux. Une fois le beurre bien fondu, ajoutez la farine. Une fois le beurre et la farine bien mélangés, ajoutez le lait. Et on continue à bien mélanger le tout. Ajoutez un petit peu de muscade pour assaisonner. Et ajoutez également un petit peu de poivre. Mélangez sans s'arrêter jusqu'à épaississement de la sauce béchamel. Au bout de quelques minutes, vous devez obtenir une sauce bien lisse et un petit peu épaisse, comme ceci. Et maintenant, on passe à l'étape suivante, la création de nos lasagnes.
Dans un grand plat, je commence par déposer quelques cuillères de bolognaise. Et on étale bien cette première couche de bolognaise. On va venir déposer ensuite nos pâtes à lasagne que j'ai pré-cuit dans l'eau chaude. Ensuite, on vient verser un petit peu de sauce béchamel par-dessus. Ensuite, on vient ajouter une couche de sauce bolognaise. Et là, on vient ajouter une nouvelle couche de pâte à lasagne. On vient ajouter une nouvelle couche. Donc là, j'ai mélangé ma sauce bolognaise avec ma sauce béchamel. Et vous le rajoutez par-dessus. On rajoute ensuite une nouvelle couche de pâte à lasagne. Il nous reste plus qu'à recouvrir avec notre restant de sauce, puis on ajoute un petit peu de gruyère par-dessus. Il nous reste plus qu'à les mettre au four à 200 degrés, environ 35 minutes. 35 minutes plus tard, voici notre plat de lasagne qui sort du four. Il vous reste plus qu'à le déguster. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette petite vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut !